Porter un enfant et être encore sur les bancs, une équation pas toujours facile à résoudre si l'on s'en tient au témoignage de cette jeune fille mère en classe de 3e. J'ai 22 ans, j'ai un enfant. Au début, les parents se sont plaints. J'ai accouché à 2 semaines de mon PC. J'aimerais dire à mes camarades de ne pas faire comme moi, de se concentrer sur le bac. Mais si elles sont en classe d'examen, de se concentrer sur l'examen. Car c'est pas facile de faire un enfant mieux scolaire. Si Yasmina n'a pu, elle, éviter ce drame étant encore une élève, certaines lycéennes de son âge, bien que n'étant plus étrangères aux rapports sexuels, disent toutefois ne pas ignorer les méthodes contraceptives pour éviter de contracter une grossesse non désirée. J'ai perdu ma virginité à 16 ans. Pour éviter de tomber enceinte, je prends les préservatifs. Ça peut faire un embêtement que j'ai commencé à avoir des rapports sexuels. Je me protège et puis je sais calculer mes cycles aussi. Une prise de conscience que veut inculquer à toutes les élèves de Côte d'Ivoire le ministère de l'Éducation nationale, qui initie alors une caravane dénommée « Zéro grossesse en milieu scolaire ». Il s'agit là d'un véritable travail de coupeur de route, parce que le destin d'une fille qui va à l'école, c'est d'aller au bout de processus et non de s'arrêter en si bon chemin. Quand c'est des élèves, par exemple, garçons, ils continuent de venir à l'école alors que leurs sœurs n'ont plus souvent la possibilité de revenir en classe. C'est donc un véritable fléau qu'il faut combattre. La caravane Zéro Grossesse en milieu scolaire a pris son départ au groupe scolaire au Fumuyapo de Yopougon. Elle va sillonner les établissements scolaires du district d'Abidjan et vise à livrer un cours magistral aux élèves sur les dangers liés aux grossesses en milieu scolaire. Est-ce que c'est la